Le monstre sur le lit. Tous les soirs, Simon a peur d'aller se coucher. Tous les soirs. C'est parce qu'un monstre habite sous son lit. Tous les soirs, maman lui caresse les cheveux en disant « Mais non, il n'y a rien du tout !» Mais lui, il sait bien que ce n'est pas vrai. Le monstre est là. Il se cache, c'est tout. Bien sûr qu'il ne l'a jamais vu, mais il l'entend grogner, gratter, tournicoter dès qu'il est tout seul dans sa chambre. Alors, tous les soirs, il supplie sa maman de laisser la lumière du couloir allumée. Et quand maman sort de la chambre, après un dernier baiser, il prend son courage à deux mains. Il remonte bien sa couette jusqu'au menton pour empêcher le monstre de le frôler. Il replie ses jambes pour éviter que le monstre ne le tire par les orteils. Et il finit par s'endormir en suçant son pouce. Parce qu'après tout, avec la lumière, le monstre ne peut pas l'attaquer. Mais ce soir-là, quand maman sort de la chambre, elle se trompe. Elle ferme tout doucement la porte du couloir et elle éteint la lampe. Simon a tellement peur qu'il n'a même pas la force de l'appeler. Cette fois, c'est sûr. C'est fini. Le monstre va l'attraper et l'avaler tout cru en commençant par les doigts de pied. Il imagine ses yeux rouges, larges comme des soucoupes, ses longs doigts griffus, son dos poilu couvert de pics violets, ses dents énormes, acérées comme des poignards. Il n'ose même plus respirer. Il attend. Et tout à coup, il l'entend. Mais ma parole, ce monstre, il pleure. Simon n'en croit pas ses oreilles. Il écoute encore un peu et il chuchote. Mais pourquoi tu pleures? J'ai peur. Peur? Oui, parce qu'il y a un monstre sur mon lit. Sur ton lit? Oui. J'ai mis le monstre. À chaque fois que je me couche, je l'entends grogner, gratter, tournicoter et faire d'horribles bruits de salive. Quand il y a la lumière, ça va, parce que je sais qu'il ne peut rien me faire. Mais ce soir, il fait noir. Et je suis sûre qu'il va me croquer. Mais c'est moi qui suis sur le lit, dit le petit garçon. Et je ne mange jamais de monstres. Je préfère les coquillettes et les glaces. Et toi, puisque t'es un monstre, tu ne dévores pas les enfants? Les enfants? Non, mais jamais. C'est beaucoup trop gras pour moi. Moi, mon plat préféré, ce sont les araignées à la sauce gluante, la soupe de cauchemar et les loups grillés. Ah bon? Dit le petit garçon rassuré. Et il attend une minute avant d'ajouter. Tu sais, les bruits de salive, c'est parce que je suce mon pouce. Depuis ce jour-là, Simon n'a jamais peur d'aller se coucher.
jamais. C'est parce qu'il sait qu'un gentil monstre habite sous son lit et qu'il ne peut rien lui arriver. Car si une araignée ou un loup lui font peur, ils finiront rôtis ou cuits à la vapeur.